Hey, salut à tous, c'est ShadowFR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur FIFA 15. FIFA 15, un jeu que j'aime vraiment beaucoup. On est parti pour un Barcelone-Manchester City. Et je voulais d'abord m'excuser de mon absence. C'est vrai que j'ai essayé beaucoup de vous proposer du gameplay sur Call of Duty Ghost, mais la communauté pourrit de plus en plus le jeu sur Call of Duty Ghost. Donc j'ai définitivement abandonné, je pense, pendant les vacances. Maintenant que j'ai le temps, vous proposer 2 à 3 vidéos, voire je pense plutôt 2, une vidéo sur Watch Dogs et le reste sur FIFA 15. Maintenant que j'ai le temps et que je suis en vacances, je peux vous faire des vidéos. Et quand Call of Duty Advanced Warfare sortira, un jeu que j'attends vraiment beaucoup, comme un grand nombre d'entre vous, je pense, ceux qui me suivent pour Call of Duty. Donc dès que le jeu va sortir le 4 novembre, j'aurai pas le temps de faire une vidéo dessus, mais directement le 5 novembre je ferai une vidéo dessus à la mitraillette, parce qu'on a pu voir qu'au sniper c'était un peu plus compliqué. Donc faut d'abord que je m'entraîne au sniper pour vous proposer un gameplay au sniper. Car on a pu voir que le quickscope avait été supprimé, enfin pas vraiment le quickscope a été supprimé, plutôt la façon de viser vite a été supprimée. Donc on va essayer de faire un beau match. On est parti, comme j'ai dit, pour un petit Barcelone-Manchester City. On va essayer de marquer un but directement pour les faire douter. Et je sais pas si je l'avais dit, mais on est en difficulté pro. Ok, allez, c'est parti avec Mascherano, Jordi Alba. Ah, malheureusement il a intercepté. Peut-être Neymar. Ah non, la faute malheureusement. Donc on a pu voir aussi que les améliorations dans FIFA, c'était que l'amélioration de l'émotion des joueurs, un gros progrès a été fait sur ça. La conduite de balle des joueurs a été améliorée. Et on a pu voir aussi la pelouse qui s'est dégradée. On va faire une petite feinte. Ah, malheureusement, le gardien l'a intercepté. Aussi, en parlant des gardiens, une grande agilité des gardiens. Les gardiens sont beaucoup plus forts qu'avant, c'est beaucoup plus dur. De faire par exemple un centre tête ou une passe de loin. Donc franchement je vous conseille ou de dribbler le gardien même si c'est compliqué, ou de faire de jouer collectif et d'arriver avec votre équipe directement sur le gardien et de faire une belle action collective et de le niquer. Voilà, on passe. On va essayer avec Lionel Messi. Lionel Messi peut-être. Non, malheureusement, le ballon a été contré. On va essayer de rentrer dans la surface. Peut-être le but. Et le but, non, malheureusement, non. Il est pas passé, je pensais qu'il y était. Mais finalement, non. Malheureusement. Ah, ça aussi, ça me l'a fait. Durant la vidéo de tout à l'heure, je comprends pas ce qui se passe, la caméra se change, mais finalement, franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, même si je trouve ça plutôt pas mal, on va quand même remettre la caméra par défaut. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un petit geste technique, de rentrer dans la surface peut-être. Et voilà, le but, le petit but qui fait plaisir, le but de Neymar, avec une petite roue et un salto vrillé derrière. On voit le public fou. Et si vous avez FIFA, je pense, on voit, et je pense que vous allez l'observer, quand vous marquez un but, l'écran se vrille en fait. On voit, en gros, on est dans l'ambiance du stade, et ça fait plaisir. Donc on va essayer directement de marquer un petit deuxième but pour les faire encore plus douter. Allez, voilà, c'est bon, on a récupéré le ballon. Une petite balle pour Messi. Malheureusement, le gardien, comme je vous ai dit, intercepte le ballon beaucoup plus facilement. Ok, on a récupéré le ballon. Ah, malheureusement,
Et hors jeu, on peut voir la bonne modélisation de l'arbitre de touche. Interception encore. Peut-être une Estia, malheureusement non. C'est parti, peut-être. Et le but. Magnifique, le but de Messi. Magnifique but. On va aller voir Neymar, allez, pour le féliciter et pour lui dire merci. Voilà, 2-0 à la 38e minute, on va dire. Un beau but, allez, même si c'était un peu du cafouillage. Mais l'essentiel, c'est qu'il y soit. On va essayer de mettre un troisième but qui soit un peu plus joli. En gros, une reprise de volée ou un petit truc comme ça. Peut-être même une retournée acrobatique si on y arrive. Ok, donc il se rapproche un peu dangereusement. Finalement, j'arrive bien à gérer malgré que je sois en difficulté pro. D'habitude, j'arrive. On va essayer Neymar, je l'ai vu. Voilà, c'est bon, on passe l'OB. Ok, malheureusement, ils ont contré, ils m'ont empêché de tirer. Donc, ce n'est pas passé, malheureusement. J'ai vu. Ah, malheureusement, ce n'est pas passé. Allez, c'est mon interception. Interception, merde, Messi, je crois qu'il est hors jeu. Non, finalement, ça va. Petit dribble. J'ai pas de solution, ne m'aidez surtout pas. Et le but. Magnifique. Magnifique but. Un petit 3-0. Je l'avais vu, il est passé. Bon, la célébration est un peu moche par contre. Mais je l'avais vu passer. Et un beau but. On va le revoir au ralenti. Donc je le vois partir. Une petite passe en profondeur. Et il n'a plus qu'à terminer. Même si le gardien était un peu sur lui. Donc voilà. Voilà, donc c'est la mi-temps 3-0. Pour moi, contre Manchester City, un assez beau match pour l'instant. Et donc, on va essayer de mettre un petit but, un petit 4-0, et peut-être plus si on y arrive. Okay, donc on passe directement, on va essayer d'y aller avec Messi. Messi, peut-être. Le centre. Et malheureusement, le gardien dégage du point. Interception, je l'ai vu partir, malheureusement ils m'ont intercepté la balle. Faut que je m'entraîne quand même aux gestes techniques pour arriver à plus les passer facilement. Même si j'arrive à faire les plus simples, en gros la roulette, le passement de jambes et les crochets. J'en profite pour vous dire que si vous aimez FIFA et que vous êtes passionné de foot, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'un ami qui s'appelle Waranubi. Je vous mettrai la chaîne dans la description. Et il joue vraiment bien, franchement. Il arrive à faire des belles choses. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la description. Je sais pas si je l'avais dit, je crois que non. Mais c'est un bon joueur. Et donc je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne. Donc, petit corner pour Manchester City. On va essayer de pas se prendre de but. Ouais, petit dégagement. On va essayer d'y aller directement. Allez, c'est parti. On y va avec Pedro. Voilà, la petite balle à Dani Alves. Ah, malheureusement, on peut voir quand même que les centres sont beaucoup plus difficiles à mettre. Ah là là, ça sent mauvais. On va faire sortir le gardien. Et l'interception du gardien. Ter Stegen. Encore un petit corner. C'est bon, le dégagement. Aïe. Non, ça va, finalement, il l'a pas mis.
On va essayer un petit enroulé d'ici. Malheureusement, c'est pas passé. Ça a failli passer, mais finalement non. Allez, allez, peut-être. C'est bon, la belle interception. Aïe, c'est bon. La petite passe en profondeur, je crois qu'on peut faire quelque chose. Essayer de centrer. Ah, malheureusement. Je vais essayer en fait de centrer et qu'il fasse une petite retournée, mais là le mec il était juste à côté. Et donc c'était un peu plus compliqué de faire une petite retournée. Et peut-être la frappe. Et c'est à côté du cadre. Quand tu veux. Essayer d'intercepter le ballon. Attention. C'est dangereux pour la défense. Mais bon, on va quand même. Voilà, c'est bon. On va partir sur le centre. Aïe aïe aïe, je vais faire la personne ici qui était juste devant qui faisait l'appel, mais je l'ai fait, j'ai appuyé sur triangle, mais finalement il a pas pris, attention, corner. Okay, attention. Voilà, le match est terminé. 3-0 pour moi, c'était un assez beau match. Même si j'ai pas mis des buts extraordinaires, j'ai quand même réussi à assurer le score. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en haut à droite de la vidéo. Ça va vous emmener directement sur ma chaîne et vous pourrez vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker. C'en est tout pour moi. Je vous dis à la fois prochaine et... Je vous dis encore une fois à la fois prochaine, encore une fois à la fois prochaine, et salut, ciao !